Salam alaykoum rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plante très intéressante et j'aimerais bien que vous l'intégrez dans votre vie de tous les jours, que vous ayez une petite boîte dans votre pharmacie naturelle et voilà, et au moins la boire deux à trois fois par semaine. Donc, c'est ce qu'on appelle l'oseille de Guinée. Je vais vous rapprocher. Voilà. Et en arabe, ça s'appelle Karkadi. Karkadi. Voilà, je vais vous écrire en bas, voilà, tout ce que je suis en train de vous dire, le nom, et je vais vous marquer aussi, voilà, les bienfaits de cette plante. Donc, la couleur rouge, elle est très intéressante parce que l'oseille de Guinée, il va nous permettre d'activer la circulation sanguine, voilà, de l'activer. Elle est très importante pour les gens qui ont l'hypertension, dans le sens où il va nous aider va aider les personnes malades à descendre la tension. Il joue aussi un rôle très important dans le nettoyage du foie, les toxines. Donc, on sait tous que le rôle du foie, il nettoie le sang. Donc, elle va donner un coup de pouce à notre foie et il va l'aider à faire bien son rôle. La tisane de l'oseille de Guinée est aussi très importante. Elle joue un rôle très important dans la prévention contre le cancer de l'estomac. Il a aussi un autre rôle qui est aussi important pour les malades qui souffrent de la goutte, un naqras. Et il ne faut pas oublier le rôle important de l'oseille de Guinée dans les soins du visage et des cheveux et de la peau en général. Donc moi, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à un soin naturel. Voilà, vous allez le trouver dans mes vidéos. Je pense que je l'ai fait il y a une semaine. Et tout ce que je vous ai cité, comme bienfaits, sont justifiés scientifiquement. C'est pas des choses, voilà, c'est prouvé. C'est prouvé déjà par rapport à l'expérience de la vie des gens, parce que l'homme, il a été toujours intelligent, il a toujours utilisé la nature. La nature, elle est très riche et il faut juste qu'on sache comment utiliser tout ce qui se trouve dans la nature. Donc, on va préparer ensemble une tisane de l'oseille de Guinée. Donc, j'ai mis de l'eau à chauffer, pas bouillante, l'eau chauffée, et j'ai pris trois feuilles de, voilà, je vais vous montrer, regardez, ça donne envie, voilà, donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai mis mes trois feuilles de l'oseille de Guinée dans le verre, j'ai mis l'eau chauffée, pas bouillante, je l'ai versée sur mon verre, et je l'ai laissé jusqu'à ce que ça vienne entre 5 et 10 minutes, voilà, là je vais filtrer, et même, je peux laisser comme ça et je vais boire. Ah oui, un rôle aussi important pour les femmes après la ménopause. Voilà. Parce que la couleur rouge, à chaque fois que vous voyez, par exemple, la grenade, là, la tisane, tout ce qui a la couleur rouge, exactement, automatiquement, c'est un antioxydant d'excellence. Voilà. Et c'est très important pour le sang. Voilà. La couleur rouge toujours justifie ça. Voilà. Donc moi, je vais déguster ma tisane et en bonne santé et au plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo. Au revoir, ma salama.